Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, vous vous doutez bien, là je suis où? Dans le sous-sol. Je vais commencer à plaquer tout le sous-sol, donc c'est plutôt cool. J'ai hâte, j'ai déjà hâte de finir. Vous voyez, j'ai même pas commencé que j'ai déjà hâte de finir. Au niveau du rez-de-chaussée, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, tout le placo était terminé. Il reste que la partie des sanitaires. Mais bon, en soi, c'est pas très grave. Je le ferai vers la fin plutôt. Et aussi, tout ce qui est prise et interrupteur, tous ces petits trucs-là, je continuerai après. Là, ce que j'ai envie, c'est vraiment de plaquer le sous-sol. J'aimerais bien avoir fini de plaquer tout le sous-sol d'ici la fin de semaine. Là, on est vendredi, donc vendredi prochain, samedi prochain, j'aimerais bien l'avoir fini. C'est pas gagné parce que j'ai encore pas mal de choses à faire, surtout de ce côté-là, là, à ce niveau-là. Ça, je dois coller du BA13 sur les parpaings. C'est le truc un petit peu plus chiant, mais bon, je vais le faire quand même. Je vais quand même y arriver, il n'y aura pas de souci. Mais voilà, là, ça sera les petits détails. Et surtout, il faut que j'aie terminé de faire quasiment tout l'ensemble. Donc c'est parti, on ne perd pas de temps, on y va, on avance. Là, je commence par faire le plafond à ce niveau-là. Par contre, je ne vais pas faire tout le plafond. Vu que j'ai les évacuations de l'îlot de la cuisine avec la machine à laver et tout ça, vu que j'ai ça à passer, je ne vais pas pouvoir faire tout le plafond. Donc ce que je vais faire, c'est faire déjà la première bande là-bas au plafond, mettre la deuxième plaque, là, vous savez, le petit bout qui me restera ici, et après, je plaque tout ce mur-là avec un petit bout de retour derrière. Mais normalement, après, c'est bon. Donc je commence déjà par faire ça, et après, en fait, ici, voilà, je vais avancer à certaines étapes. Je vais avancer sur plusieurs endroits un peu en même temps. Ça va être un peu le bazar. J'espère que je ne vais pas trop me perdre. Donc c'est parti, je continue ça, bah, maintenant. C'est parti! Thank you.
Et ça y est, le petit mur derrière moi est terminé. J'ai déjà un petit peu réfléchi parce qu'en fait, sur ce mur-là, je vais avoir tout un ensemble de lumières. Je ferai les dessins plus tard tranquillement. Maintenant, je vais pouvoir reprendre dans la partie chambre d'amis, chambre du sous-sol tout simplement. Et puis j'avance tranquillement. Donc c'est parti, je continue là-dessus tranquillement. C'est parti. Ça y est, j'ai enfin terminé. Bon, tout n'est pas fini. J'ai fait ce que je voulais faire, je pense, pour aujourd'hui. Regardez, là, on est dans la chambre. Bon, là, c'est pas encore fait. J'ai avancé là, le retour, là, qui est là, et le petit retour. Après, il faut que je mette la porte. Bon, je voulais revenir vite fait au sujet des vidéos. J'ai vu des commentaires comme quoi je coupais, admettons, la vidéo, tu sais, en plein milieu. Alors oui, effectivement, tout simplement parce que je sais jamais trop si j'ai assez d'enregistrements vidéo. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que il est vrai que moi, filmer avec la caméra, bon bah, vous dites que voilà, je pose la caméra, c'est fini. Mais non, parce que je la change de temps en temps de place et tout ça, donc j'avoue que je mets du temps. Mais bon, enfin, tout ça pour dire qu'il est vrai que des fois, ça coupe directement, sans forcément que je vous dise au revoir. Tout simplement, quand je fais le montage vidéo, je me dis, j'ai pas envie que ce soit trop long, comme vous savez. Je fais maintenant des vidéos lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et le problème, c'est que j'essaye de les réduire à environ 10 minutes, 15 minutes maximum. Donc, il est vrai que des fois, je fais les vidéos et j'ai 30 minutes de rush. Et j'ai pas forcément dit au revoir à ce moment-là parce que j'ai pas fait attention. Parce que je suis le cours, tout simplement, de mes travaux. Je dis pas forcément bonjour et au revoir à chaque coup. J'essaye de faire au plus simple au niveau des étapes. Vous voyez ce que je veux dire? Si j'ai pas fini sur une étape et que ça prend sur deux vidéos, bah, je coupe pas forcément, je dis pas au revoir forcément en plein milieu. Et vu que c'est pas non plus mon métier de monteur, je sais pas quoi forcément mettre à la suite, à suivre ou des choses comme ça. J'avoue, je sais pas trop quoi faire à ce moment-là. Il est vrai que je coupe directement et je reprends la vidéo le lendemain, tout simplement. Mais bon, voilà, c'était juste pour vous dire ça. Mais bon, dans tous les cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu, ça ferait super plaisir. Et on se dit à la prochaine vidéo. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao !